je vois les gens qui en pleurent, qui se prennent dans les bras à la fin, qui se roulent par terre et qui finalement s'embrassent et se disent que c'était une dinguerie. C'est quelque chose que je crois que c'est même pour ça que je continue de créer les The Fierce Battle. C'est pour ces moments-là. Don't you come back no more. On est vraiment sur une autre dimension. On est sur la compétition francophone. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Il y a toujours cette proximité en fait entre les athlètes et le public. C'est un gros événement, mais on sent vraiment que ça transpire le CrossFit. Parce que c'est un travail de passionné, c'est l'organisation des affiches, être CrossFitter, c'est la même chose. On est passionné, on commence le CrossFit, on est passionné et après. Depuis le début, la valeur qu'on a envie de prôner, c'est le vrai CrossFit, le CrossFit à l'ancienne. Donc vraiment la valeur qu'on a envie de garder ici sur cette compète, c'est l'origine. Get ready, it's coming. You hunting or you running? Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. It's coming. On entrait aussi sur le floor aux affiches, c'était d'animer, de mettre de feu sur ces fameux ladders qui enflammaient. Alors à l'époque, c'était pas le Parnasse, c'était la boxe de CrossFit Nîmes, mais on avait vraiment la chaleur du soleil, la chaleur du public, c'était exceptionnel. Tout le monde est à chaud et en fait, tu t'envoies des grosses barres sur un floor dehors avec un gros conteneur écrit CrossFit dessus, ou on peut dire un peu ce CrossFit à l'ancienne. L'ensemble des éditions sont vraiment les toutes premières qui sont à l'origine de ce qu'on a aujourd'hui, donc les affiliés de battle à la boxe de CrossFit Nîmes en extérieur. Où il y avait cette ambiance aussi, on avait mis des gradins un peu comme on pouvait, c'était le tout début. Et c'était une espèce de plancha tellement il faisait chaud. On lâchait des barres à un mètre du public et il y avait toujours ce fameux leader aussi. Mais tout le monde applaudissait. Welcome to the war. Au pire, voilà, pour cette année, on doit s'attendre au pire si on est un athlète. Mais ce sera toujours dans le cadre d'un test complet. Tout est calculé pour que les athlètes puissent vraiment se dire « Ok, la compétition des affiliés battle, ce sera mon juge de paix. C'est là où je vais savoir si mon fitness a bien évolué d'année en année. » Et un des meilleurs tests de fitness qu'on puisse retrouver, mais pas qu'en francophonie. 30 years you've been dragging your feet, telling me I'm the reason we're stagnant. 30 years you've been claiming your honest and promising progress, well where's it at? I don't want you to feel like a failure. I know this hurts. But I gave you your chance to deliver. Now it's my turn. Les affiliés, il y a les yeux qui brillent. Voilà, ils te disent waouh, c'est les affiliés quand tu arrives avec ta pancarte dans ta salle, que tu te trimbales avec ta pancarte, quel que soit le niveau. C'est avant tout une expérience athlète. Faut pas oublier ça, il y a quand même 750 athlètes et c'est eux qui vont donner de l'émotion au public. C'est vraiment eux le moteur de la compétition. Enfin, on a des athlètes qui partent mine de rien avec la banane. Ils sont heureux et ils nous disent souvent « les gars, c'était génial, c'était trop bien ». Je vois dans leurs yeux cette espèce de kiff de rentrer sur le floor et ça, c'est un très bon. What's my definition of success? Listening to what your heart says. Standing up for what you know is. What will everybody else is. Talking into between their legs. What's my definition of success? Creating something no one else is. Aujourd'hui, les affiches, c'est sérieux, voire très sérieux. On ne fait pas les choses trop vite, mais on les fait bien. J'ai eu confiance, en fait. J'ai eu confiance au staff des AB. J'ai toujours senti qu'ils se sont dit « Ok, on va essayer de les mettre vraiment dans les meilleures conditions possibles. » Et ça, c'est quelque chose de très rare sur le sol français. J'ai pu compter sur un vrai groupe avec moi pour pouvoir mettre ça en place. Je suis loin d'être seul pour pouvoir créer tout ça, loin de là.
Mais c'est ce qui m'a motivé, c'était ça, je crois. C'était ce pouvoir de créer quelque chose d'assez fou. Little bit of faith can't do if you don't even believe in you. Why would you think or expect anybody else that's around you to? I done did things that I regret. I done said things I can't take back. Was a lost soul at a crossroad who had no hope, but I changed. En tant que responsable du club, on connaît un peu tous ces chiffres. Nombre de bénévoles, on doit être à peu près 120 bénévoles. On a 40 plates par lane, fois 20 lanes. Le tapis fait une quinzaine de kilos par plaque et il y en a 2000. Necessary evil, difficult to go through, yes, but beneficial. Some would say having a mental breakdown is a negative thing, which I'm one hit. I agree, but on the other hand, it was the push I needed to get help and start the healing process. See, if I didn't ever hit rock bottom, would I be the person that I am today? I don't believe so. I'm a. C'est une charge énorme. Moi, je suis là, j'arrive le matin, je te dis, match est terminé. Eux, ils y sont, les mecs, depuis quelques mois, à se taper du sol, à se taper des racks, des barres, etc. Donc vraiment, il faut être très, très humble et reconnaissant. Le métier que je fais, c'est grâce à eux. Des bénévoles, des gens qui donnent du temps, qui donnent de leur énergie, de la sueur. Et franchement, bravo à eux, parce qu'il n'y aurait rien de possible sans qu'il y ait cette espèce d'unité tous ensemble. Donc c'est des heures de boulot, des heures de réunion, et on est content parce que les deux jours de folie ou trois jours de folie, chaque fois, c'est assez magique, donc moi, je voulais juste les remercier, vraiment. C'est hyper gratifiant, franchement. Moi, je sais que l'année dernière, en tant que juge, j'ai des gens qui sont venus me voir et qui m'ont remercié. On est tous là parce qu'on a une passion commune et on veut tous la même chose. On a toujours été étonné par la capacité du staff des Athlete Battle à respecter les timings, même avec 750 athlètes. Chaque année, on est surpris de l'engouement que ça peut avoir auprès de tout le monde, des athlètes, des bénévoles qui se joignent à nous, du staff, de tout le monde. Ça ne fait que grandir et vraiment, merci à tous pour ça parce que c'est vraiment ce pour quoi on le fait. Soyez fort, soyez courageux, donnez le meilleur de vous-même, ça reste du sport. Soyez beau, soyez fiers et faites-moi vibrer ce putain de public. Vous allez voir, les WODs sont pas faciles, il va falloir avoir un supplément d'âme. Mais vous prenez pas la tête, vous mettez pas la pression pour rien. Juste restez focus sur votre attitude, sur ce que vous êtes capable d'offrir. Cette énergie en fait que vous allez donner au public. C'est vraiment ça qu'on veut de vous aux affiliés de battle. C'est pas de finir à telle ou telle position. C'est d'offrir votre meilleur fitness et ce supplément d'âme. Les gars, vous prenez surtout pas la tête. C'est un week-end où il va falloir envoyer du lourd, où il va falloir essayer d'être humble aussi parce que c'est ça qui est bon aux FS Battle. Moi, c'est ce que j'aime en tout cas, c'est quand vous envoyez du lourd et que vous vous respectez les uns les autres et que vous vous aidez les uns les autres. Mais surtout, prenez un putain de plaisir et réfléchissez pas trop. Et quoi qu'il arrive, c'est des émotions qu'on va créer, peu importe lesquelles, mais on va créer quelque chose de fou. Et dans 48 heures, vous serez, je pense, très fiers d'avoir vécu un moment unique comme celui-ci.